jọsìn so kí wá sí mùsùlùmí nìkan lọ bàjẹ́ láyé fi bàjẹ́ gbogbo ẹni tí ń bẹ láyé ni kódà bí ẹlẹ́bọ bá lòun wọn wọnú ẹ ààrẹ di àti gbà tọrọrọ tí ọmọ gbọnú ẹyọ padà yí padà. Tout le monde peut rentrer dans l'association Igalaye, que ce soit animiste, islam, catholique, peu importe. Le plus important d'abord, c'est l'association d'abord qui est le plus important et le social que nous parlons. C'est ça le plus important, peu importe. Parce que par exemple, même un animiste, s'il est dans notre association déjà, il va écouter la parole de Dieu. Soit il va se convertir à ce que nous on fait, soit et en tout cas il va changer de comportement vis-à-vis de l'association. Mais vu que vous animez dans une langue commune, ça veut dire que vous déjà mettez une barrière à ça. Moi je ne comprends pas la langue et si je veux adhérer à l'association. Vous avez raison. Ah, vous avez raison, je vais poser la question. Baba, on y était une question de l'eau. Et si vous voyez la bonne voix, et si vous voyez la bonne vie, ça va être arabe. C'est très simple, c'est pas la langue yoruba qui est parlée. Il y a au moins trois langues qui sont parlées, l'arabique, l'anglais et puis le français. Entre les trois langues déjà, on sait que automatiquement tu peux t'en sortir sur les trois langues. Madame, vous comprenez le français ou l'anglais? S'il n'y a pas les deux, au moins l'anglais, l'arabe est là. C'est bon? Il y a l'arabe, c'est ça. Non, I don't know.